bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors, je suis John Candolo, l'avocat des artistes, projecteur des stars sur votre émission culturelle que vous aimez bien. Ce soir, ou aujourd'hui, on a au moins le réel plaisir de vous présenter un artiste musicien qui fait de la bonne musique, bien sûr, et surtout, c'est un artiste musicien qui, aujourd'hui, il est en train de faire... Il est en train de tracer, bien sûr, bien ses chemins, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans la province d'Ilalaba, on ne peut pas compter 3-5 artistes musiciens sans toutefois passer par lui. Alors, aujourd'hui, on aille à se déplacer jusqu'à cette province, bien sûr, pour le retrouver. Il est là avec moi, lui, c'est Tienes Nadia. Avec lui, on doit essayer de parler de lui et surtout de sa carrière musicale, c'est-à-dire toutes les questions qu'on doit poser à l'artiste. Nibila Nayua. À tous vous posez Milachio. Voilà. Alors, on les reçoit déjà, Tienes Nadia. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend. Voilà, voilà, tout fait. Bonjour, bonsoir à toi, John, et à nos téléspectateurs. C'est votre artiste Tienes Nadia, le privilégié des dieux. Le privilégié des dieux. Yes. John. Non, parce que c'est pas moi qui demande à ce que je sois en vie aujourd'hui. C'est tout ce qui m'arrive, parce que Dieu est en train de me les donner par privilège, c'est pas que j'ai mérité des dons, c'est par grâce en fait. Bienvenue dans notre émission. Merci. Alors, au début déjà, on veut savoir qui est Tienes, comment il a commencé sa carrière, un peu une petite histoire de votre début aujourd'hui, comment ça se passe. Comme beaucoup d'artistes, hein, j'ai commencé la musique sous influence d'autres musiques et tout, en 2011. À laquelle je me suis décidé de sortir une chanson perso et tout. J'ai lancé Mama Africa et Dieu merci déjà à partir de la première chanson j'ai eu le succès. Okay. Alors que j'étais en train d'essayer comme tout le monde. Mm-hmm. Mais comme par coup de chance, j'ai lancé la première chanson directement. La chanson a cartonné et c'est comme ça que ça a commencé avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je suis là, je vois des artistes venir, monter, descendre, mais moi je suis toujours là. Vous êtes toujours là. Alors on peut dire que lorsque vous étiez à Kasumbalé, ça pour festival Zinzi, c'était déjà au début, j'espère. Ouais, j'étais à mes débuts, je n'avais que deux chansons. Des chansons seulement, mais vous êtes mais j'étais quand même marqué pour venir jusque-là. Parmi déjà le gagnant, Kasumbalé, ça, j'étais parmi ceux qui étaient sur la liste de trophées et tout. Malheureusement, vous n'avez pas Il y avait juste de ma bouille. On m'appelle la nuit. La nuit, on me dit que tu as eu le trophée. Mais le matin, on donne le trophée à quelqu'un d'autre parce que c'était le protégé du papa avec qui. Le papa qui nous avait aidé à nous déplacer d'ici vers la Soumbalé. Ouais, il savait. Même le papa m'a dit ça après. Non, tu sais, petit, j'ai pensé que. C'était un Codide qui avait pris ce trophée, si je ne me trompe pas. Qui ça? Un Codide de Kasumbalé. Non! Dans la délégation de Colouésie, okay. Il y avait un trophée pour Colouésie, parce que c'est moi qui étais le gagnant de Colouésie. Mais on a pris le trophée, on l'a donné à Ozias parce que c'était le privilégié de Papa Tchétché. Voilà. Quand on était rentré, tellement que j'avais mis de la chaleur, c'est là que le papa m'appelle, oh non, tu sais, c'est toi, quand on t'avait appelé la nuit là, mais tu vois, mon petit, je l'avais promis. Je dis, mais il faut que les talents parlent au lieu de promettre aux gens. Ouais. Alors, on continue avec notre émission. C'était au moins une petite histoire de sa carrière, comment elle a commencé. C'était en 2011, nous tous déjà, on connaît comment c'était les aventures. Alors, Tienes Nadia, aujourd'hui à Colésie, on peut dire que vous êtes parmi les grands artistes musiciens de la ville. Alors, qu'est-ce qui freine encore Tienes d'aller loin que Colésie? Non, je suis le seul artiste de Colésie qui est écouté partout. Aujourd'hui, si vous allez à Kasumbalé, il y a mes chansons qui jouent à Kipushi, à Kambov, à Likasi, à Lubumbashi. Il y a mes chansons qui jouent, mais j'habite à Colésie. C'est d'abord une exception. Je suis le seul, l'unique qui sort ses chansons ici, mais ses chansons voyagent. Les autres, il faut qu'il envoie à sa tante, il envoie à son oncle, tu vois. Ouais, mais moi, je sors mes chansons ici, les chansons. Mais on a toujours dit que la patience, c'est la mère de la réussite. Il faut être patient. Quand vous êtes pressé, vous risquez gros. Ouais. Moi, j'y vais lentement, doucement et tout. Déjà aujourd'hui,
quand on m'écoute en Zambie, on m'écoute en Tanzanie, je me dis c'est aussi malheureusement juste là, oui. Dans des chaînes internationales, on ne va pas tirer. Au moins sur Kitoko. Kitoko seulement, je passe sur Passe Kitoko. Mais les autres chaînes, c'est un peu compliqué, mais on est en train d'aller. Qu'est-ce qu'ils freinent? Le talent ou bien non, pas les qualité talents. Ou bien... Même pas tout ça. On a la qualité, on a le talent, on a la bonne musique. Ce qui manque, c'est juste des connexions. Des connexions. Ouais, mais vous avez des gens qui peuvent vous faciliter à arriver. Tu sais qu'il y a des escroqueries sans nom. Qui est? Toi, tu te dis, ben, moi d'ailleurs, je te l'avoue, on m'a escroqué avant, je pense, il y a 3 ou 4 jours. Okay. Quelqu'un m'a dit, non, j'ai des connexions grâce à Africa. J'ai envoyé l'argent jusqu'aujourd'hui, il ne répond plus à mes messages. Bon, je ne sais pas s'il m'a escroqué ou s'il est en train de travailler. Il est d'ici ou bien du Katanga? Il est d'ici. Okay. Il est de Kinshasa. Mm-hmm. Jusque-là, rien. Alors, votre rêve, c'est de passer dans des chaînes internationales ou bien de faire ta carrière pour que le monde entier puisse comprendre la bonne musique d'ici? Ben, moi, c'est, je me dis, avec ma musique d'ici, je veux qu'elle soit consommée par. Okay. Voilà pourquoi je suis en train de chercher des connexions sur d'autres chaînes. Et Dieu merci, il y a aussi nos chaînes d'ici qui commencent déjà à monter sur Canal. On est en train de... C'est comme ça. Comment on sera connu ailleurs? Et puis sur Internet, j'ai quand même fait quelques formations sur comment mettre les chansons sur les plateformes, comment se lancer sur Internet. Je suis en train aussi de faire ça. Mais on ne peut pas être connu le même jour. Le même jour, donc, et du coup, vous êtes partout. Il faut y aller doucement. Alors, aujourd'hui, on peut dire que Etienne Esnaga, c'est un artiste musicien qui a été peut-être... il a les goûts de la musique à travers un artiste musicien de la RDC ou bien votre idole de la musique. Comment, c'est qui et puis c'était comment d'abord pour qui rêver? Moi, j'ai eu l'envie d'être dans la musique à travers le groupe Makoma. Mm-hmm. J'aimais ce qu'il faisait. Soit moi, chez moi, on ne mettait jamais les musiques mondaines. C'était que la musique religieuse et tout. Quand on jouait Makoma, j'aimais, j'ai retenu leurs chansons. Et après, maintenant dans la rue, j'ai connu d'autres artistes. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu le goût. Et puis moi, j'étais comment un peu, on me gronde dans la maison. Au lieu que je m'adresse à la personne, comme ça en parlant, je dis qu'on va me frapper, on dirait que je suis impoli. J'ai créé de petites chansons. Je m'adresse à ma mère, mais j'ai fait comme si c'était une chanson que j'étais en train de chanter. Alors que j'étais en train d'improviser comme ça. Mais mes amis me disaient, ah, tu as des talents, il faut le faire. J'ai commencé avec le rap. J'ai rappé d'abord. Et puis, certains moments, vous êtes dit là, c'est quoi? J'ai dit, il faut que j'essaie aussi de chanter pour que... Voilà. Et voilà. Okay. Votre idole, si on comprend bien, c'est le groupe Makoma. Ouais, c'est le groupe qui m'a poussé à être dans la musique. Mais j'ai été inspiré par beaucoup plus d'artistes. Il y a Tupac, il y a DMX. Quand j'ai commencé à écouter le rap, il y a surtout le français Soprano. Okay. Parce que j'ai rappé même comme lui. Un temps. Ouais. Il m'a beaucoup inspiré, Soprano. Il y a Pastaflex. Mmh. Il y a beaucoup d'artistes comme ça. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus inspiré par Fally Ipupa et Diamond. Voilà. C'est mes artistes que je regarde tous les jours. Tous les jours. Voilà, Fally Ipupa et Diamond. D'ailleurs, il faut vous dire que Fally Ipupa, c'est parmi les grands, et c'est parmi les artistes missions qui fait, qui est la musique congolaise qui s'est arrivée jusque là-bas. Alors, dans une chanson, on a eu à écouter TNS dire que son idole, c'est Rasson. Mais aujourd'hui, je suis surpris lorsque vous me parlez du groupe Makoma. En fait, moi, j'écoutais pas d'abord Rasson. Mm-hmm. Mais un temps, tu vois, pour rassembler dans des concerts, peut-être j'ai oublié aussi de le mentionner, hein. Okay. J'aime bien, c'est l'artiste lequel, quand je le regarde, ses concerts ne m'ennuient pas, tu vois. Je suis content de le voir, comme ça. C'est aussi à travers ses plaintes, quand j'ai regardé ses concerts. Et sa façon de gérer la population. Et ça m'a plu. Et puis j'ai eu quand même la chance d'être dans l'école de Rasson. Quand j'étais avec lui, il me conseillait tous les jours, il me donnait des stratégies tous les jours. Et voilà, si tu regardais, depuis que je suis rentré de Kinshasa, je ne rate plus hein, quand j'ai fait des chansons. J'attends toujours. Alors, si on peut comprendre bien chez Rasson, tu as gagné en moi les stratégies, façon de faire. Ouais, dès quand je suis rentré, je suis un peu devenu malin par rapport à ce que j'étais avant. Tu regrettes quoi après avoir quitté Rasson?
Ce que je regrette, c'est que Orason ne m'a pas poussé comme il le fallait. Moi, je regrette parce qu'il a eu l'argent qu'il fallait donner à toutes les chaînes, partout. Il a eu beaucoup d'argent pour ça, pour envoyer la chanson et tout. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Moi, c'est ça que je regrette. Mais je promets à Orason, toujours dans chaque émission où je passe, je lui dis, je lui demande de m'attendre, je suis en train de venir. Je suis en train de venir d'une autre manière. D'une autre manière, ouais, où tu sans passer faire par face. Lui. Mm-hmm. Sans passer par lui, mais il finira par. Aujourd'hui, tu ne peux pas encore avoir l'envie ou le souci de revenir sur lui. Non, non, non. C'est, le temps avec Orason c'est déjà passé. Maintenant, je pense aux artistes qui évoluent aujourd'hui, tu vois. De Orason, moi, je me dis, leur temps est dépassé. Maintenant, il faut voir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que Tienne espère avoir envie ou souci de chanter avec un Kino? Oui, oui, il y a des Kinois, il y a des Kinois, il y a des bons. Par exemple, aujourd'hui, si on me donnait Fally Ipupa sur le plateau, je vais sauter dessus, tu vois. Ok. Mais si lui aussi, peut-être par hasard, il fait les mêmes histoires que Orason. Ben, je sais que tous les Kinois agiraient comme Orason. Okay. Tu vois, tous les Kinois. Ils sont comme ça, même les Katangais, les Congolais en général. En général, les Congolais, un Congolais, les Congolais artistes musiciens n'ont pas l'envie d'aider. Ils ne peuvent jamais t'aider. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est que je peux, moi, l'essentiel, c'est peut-être avoir la voix de Fally Ipupa dans ma chanson, mais le reste, je l'ai fait moi-même, tu vois. J'ai fait mes histoires moi-même et tout, donc c'est un peu dans ce sens-là. Des gens pour parler avec Fally ou bien c'est encore un projet? Ben, c'est encore un projet, hein, c'est encore un projet, mais j'ai eu la chance d'être avec lui, j'ai eu la chance de manger ensemble avec lui, d'échanger, de lui faire écouter mes histoires, donc Dieu aidant. Il y aura peut-être un projet. Dieu aidant, il y aura peut-être un projet. On espère que ça doit aussi arriver et ça sera pour la fierté, bien sûr, de la musique katangaise parce que nous tous, on est katangais. C'est comme ça. Fallait gré au Katanga, voilà, mais on est toujours dans une même famille de katangaises. Voilà. Alors, Tienes, aujourd'hui, vous étiez parmi les artistes musiciens qui a été beaucoup plus boosté, je peux le dire, par rapport aux autres. De la ville de Kolwezi, parce qu'on vous a vu dans Futuring avec beaucoup des artistes musiciens de Boumashi et aussi de Kinshasa. C'est comme si tout ce que vous avez fait comme chanson en Futuring, ça ne vous a pas poussé d'aller très loin. Non, je sais pas c'est quoi aller très loin à notre niveau. Aller très loin, moi je comprends déjà aujourd'hui TNS, on ne devrait pas encore les retrouver à Kolwezi. Aujourd'hui, TNS devrait être comme Innocent, par exemple, parce qu'Innocent vient de Goma. Aujourd'hui, Kinshasa, tout le monde valide Innocent. Ouais, il n'a pas commencé aujourd'hui. Innocent est là depuis 2010. 2010, ouais. Ouais. Nous, en 2010, on rêvait encore, on dormait. D'être musicien. Ouais. Moi, je me dis, gagner dans la musique, c'est pas quitter Kolwezi. Mm-hmm. Fally est à Kinshasa, mais il est connu partout dans partout, le monde, oui. Tu vois. Donc, le complexe qu'on a de quitter. Et la ville qui nous a propulsés, moi je me dis que c'est une grosse erreur. On peut, étant à Kolwezi et être connu partout dans le monde, c'est vrai, il y en a qui aiment aller dans la capitale parce que c'est là qu'il y a trop de connexions et tout. Mais moi, aller à Kinshasa, c'est pas un grand problème pour moi. J'y vais même sans parler, sans dire à la sans télé. Dire à la télé, ouais, okay, vois, c'est possible. C'est possible. Et. Moi, je continue à faire ma bonne musique et je sens que c'est en train, je suis en train d'évoluer, j'évolue. Le jour c'est un. Si j'ai une bonne connexion, par exemple, avec quelqu'un de dehors, quelqu'un qui va me pousser. Par exemple, aujourd'hui, si tu as la chance de faire un featuring avec Diamond, c'est fini, t'es parti. Parce qu'il va t'aider, il t'aide avec son cœur et tout. Ben, il faut aussi pas compter trop sur les aides, hein. Il faut toi-même aussi tu puisses, ouais. tu puisses les donner pour que ça puisse y avancer. Ouais, ouais, ouais. Alors, on continue comme ça, de TNS Nadia. Alors, si on peut parler des artistes, musiciens internationaux, tu rêves, comme tu viens de le dire avec Diamond. À part Diamond, tu ne restes pas peut-être d'autres artistes musiciens, Côte d'Ivoire. Il y a Diamond qui m'inspire beaucoup, il y a Wizkid, ouais. Il y a Davido, chez nous au Congo il y a Fally Ipupa, il y a beaucoup d'artistes, hein, il y a beaucoup d'artistes comme ça, il y a Maître Gims, il y a Dadju. Et Maître Gims c'est un boulot.
Ouais, bon, je dis il m'inspire. Mais voilà. Je dis pas que ça sera facile. Ouais, ça sera pas facile, papa. Tout est possible quand même. Ouais, tout est possible. Moi, je suis un grand rêveur. Mm-hmm. Tu t'imagines, j'étais tout petit, déjà j'ai rêvé faire un truc avec Werrason, mais c'est arrivé. C'est arrivé, voilà. Moi, je dis peut-être tout ce qu'on se dit avec la foi finira par arriver. Avec la foi. Ouais. Et moi, je me dis aujourd'hui, peut-être demain, après-demain, j'aurai la chance de faire un truc avec notre Gims. Mm-hmm. C'est vrai, les gens à la maison diront, oui, on a l'autre taqué. Ça peut arriver parce que... Il faut rêver grand. Voilà. Déjà, il faut vous dire qu'on fait manière plus en pouvoir. Il rêve de faire une chanson avec Gims, ça ne marche pas. Mais déjà que j'ai réalisé un rêve, dès tout le Qatari, je suis celui qui a fait avec Werrason, c'est un grand. C'est une légende. Il y a aussi des artistes qui ont fait avec lui. Ouais, ils ont fait avec Ferré, des enfants de Wera, tu vois. Mais Fally aussi, c'est l'enfant, en fait. Ouais, mais aujourd'hui, Fally, c'est le king. Donc, il faut l'accepter. Aujourd'hui aussi, Ferré, c'est parmi les grands, en fait. On peut les ouais, dire, c'est parmi on peut les grands. Les souligner. Rigolo, oui. Voilà. Oui. Alors, on continue. Vous parlez de la nouvelle chanson Bobaï. Inspiration, on dit quoi, belle idée. Moi, si on peut parler, déjà conception et Mimo, et c'était comment tu as pensé à quoi, parce que la chanson parle beaucoup plus de, des histoires que tout le monde est en train de vivre. Oui, ben moi je suis de ces artistes qui s'inspirent beaucoup plus de la réalité. La réalité, Mambo Levant, on la vivra qu'en réalité. Moi je suis pas dans le rêve, dans les chanter les fictions et tout. Bien que je suis un grand rêveur, mais je chante pas les rêves. Je chante ce qui arrive, je n'insulte personne. Et dans Bobaalé, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est arrivé à presque tout le monde. Tout le monde, quand tu fais bien ton boulot, il y a déjà des ennemis derrière. Mm-hmm. Voilà, tu vois les sacrifices que tu es en train de faire, tu quittes. Kasumbaalé, ça pour venir jusqu'ici. Voilà. Bobaalé, des sacrifices. Le succès, le Runapata, Ville de Vintoko, Bigunenda, Bo Dieu, le Béona Jalousé. Alors que, où on a sacrifice, ça m'a l'air faim. Aujourd'hui, tu commences ton émission. Au début, quand tu es en train de faire un peu de temps, tu es en train de c'est de ça que je suis en train de parler dans Bobaalé. Je ne sais pas bien, sans problème. Vous voulez ma mort, sans problème. Vous voulez que je tombe, sans problème. Je suis en train de faire un peu. Vous gagnez quoi en faisant tout ça? Et c'est de plus en plus grand ça qu'on a. Et puis moi, j'ai beaucoup souffert aussi de ça. J'ai beaucoup souffert de ça. En disant, c'est toi qui bloques les artistes, Michel, tu vas autorité, ça va s'aider. Ouais, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis le plus intéressant c'est que quand tu as ce genre de combat il faut beaucoup plus prier. Comment tu peux répondre aux gens qui disent que Tienes n'a pas eu l'inspiration lorsqu'il a écouté son grand frère Erdi lorsqu'il a chanté La Mata? Non mais écoutez, La Mata et Bobaalé c'est deux choses différentes. Écoutez, mais le message. Non, le message. Parce que j'ai écouté quelques personnes qui disaient non, sans te mentir, d'abord pour commencer, Mumbwa Mouni avant à RG. Ok. Ça, je te jure au nom de Dieu. Mm-hmm. Mais il a fait sa chanson. Aïfanani. Il a fait sa chanson. Bien que Yamouni avant, appelé DJ Chris, c'est lui qui a travaillé pour nous deux. DJ Chris te dira que TLS a travaillé avant. Et puis RG a commencé sa chanson un peu après. Mais il a fait le clip avant. Mais quelque chose qui m'a inspiré dans son clip, il a fait la toka yulo ramouka. Ça m'a plu. Je lui ai même demandé, j'ai dit beaucoup bon ami n'avait pas regardé qu'il doit aller. Il a dit ah papa, tu es mon frère, tu peux prendre. Tu vois. C'était pour que nous évitions. On a parlé. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais dit que RG s'est inspiré de ma chanson. Même la galère n'a compris l'inspiration. Il y a quelqu'un qui a fait ma mouive. Bien qu'il y ait un avant, je suis en compris. Mon audio, mes clips qui sont avant. Moi, j'ai beaucoup de chansons. Je suis en train de faire des tu vois, on a eu ma recherche.
va demander quoi DJ Chris on met c'est bon nous voyons hier j'ai dit c'est la plus de trois à quoi c'est possible c'est possible comme l'autre fois vous l'avez lancé une chanson à l'eau si je me trompe jusqu'aujourd'hui à Tukishikia bon je suis lancé bien au Tukishikia mon bail que si tu sors ben toi t'as c'est moi qui non on a bien refait non c'était même pas ça à l'eau t'as toqué mon album mais pourquoi juste tout ma souci tout moi Ivy je te ferai à l'eau qui est temps annoncé à Yatokaka. Mais ça va sortir. Ça va sortir, espérons que ça va sortir. Alors il y a aussi d'autres personnes qui disent, bah, c'est moi, il est même à Bobali. Naïm Mandio connaît ça parce que non, pas solution comme on le dit. Il y avait des ces gens-là. Et puis aujourd'hui, bah, nous avons fait un coup fouet, tout ça. Comment tu penses ben, ça touche aussi à ça. Okay. Ça touche aussi à ça. On a dit qu'il n'y a pas l'inspiration qui est en tant que le privilégié de papa solution. Aïe, toqué, parle, parle. Mais Mir Semana, il y a une réalité, moi, mais ça tombe à pic. Ni m'a voulu l'enfuir à papa solution. Il est combattu sans problème. Il y a des gens qui veulent sa mort. Juste que tu joues Bekale Pakichi, qui m'a dit que alors que lui a ses bons cœurs, il est balé pour Abanana. Tu n'as pas eu. Abana bon aller romzuri les papa solution on a eu et tu gagnes alors là bas y a fanny bon mais on va se caler parler à courir ma couteau n'a pas tout toi que tu vois est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est un jour à papa politicien mais oui moi je serai un politicien parce que moi je serai politicien un jour parce que maintenant c'est moi je sais dénoncer na yo c'est ma vérité bah mingi tout n'en ensemble mou les donner dans les courir député musicien est-ce que tu es un dégât. Ouais, ça va aller. Déjà, je suis un peu plus de papa, je suis ma vérité. Je suis pas c'est ma vérité. Et mon assemblée, député, moi, je suis député, c'est ma vérité. Député, c'est ma parole. Moi, je pense que je finirai politicien toujours parce que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de ma carrière. Et je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus bah, je peux m'en aller. Ouais, un jour, c'est pourquoi les choses n'évoluent pas. Mm-hmm. Mais un jour, moi, je me dis, un jour, je serai aussi dedans. C'est aussi politique, ouais, tu vois, pour stylé. Congo, il y a Chibo, tes papa. Quand on allait, mon gars, on coupait les dents, il y a poussé ma mambo. Il y a combattu ma mambo, moi, Foulani. Futur député déjà, il faut le dire. Là-bas, on est préparé. Et du coup, on vote, nous, quoi, nous. Déjà 2023, espérons que ça peut être possible. Alors, on continue avec notre émission. ça fait du bien. Alors, un peu l'extrait comment de la chanson Bobali pour faire plaisir à toutes les personnes qui nous suivent à certains moments. Alors, je salue déjà l'honorable, le ministre national, monsieur Serge Kone, Sport et Loisirs. Toutes des bonnes choses à toi. On peut suivre quelques extraits de la chanson avant de continuer avec notre émission. Jina yangu mutoto mama, kina kiona. Mambo baya paka baekemo bana voila ngozi yangu bana fana yo vibaya bana nichimbia njimu wakaburi ningari mujimambie Bobale pasipo mambo beko na teka miteko Bobale pasipo mambo beko na taka ni kufwe nipate zero banizome ye 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 nipate musiba bafanye feti feti, feti na feti. Kandolo akufa bafanye feti. Feti, feti na feti. Oh. Surtout là-bas. Là, ouais. C'est. Je ne sais pas. Les gens disaient pourquoi pas au Konamé Mimou Feti na Feti. Moi, je voulais pas que les gens donnent une connotation déjà à la chanson avant okay. De l'écouter. Mm-hmm. Parce qu'on a Léo Erika Teneka Feti na Feti. Bande de ça, Mimou, ça m'a house. Voilà. Ah, ça, Nimana, ça m'a house. Ndjou, tu vas fêter. Alors qu'il y a un grand message dans la chanson. Déjà, pour studio, on te lance. Ouais, quand Feti na Feti comme titre, ça parle. Mais n'est qu'à Bobali. Parce que Bobali, déjà, t'as un pic à mon tour. Voilà. Je suis Bobali. Banane. Banafouani. Anena la chikia. Je suis là à comprendre. Mais encore, quand Feti na Feti, on te lance. Bien ou bien, il faut qu'on noie, il faut qu'on vienne, il faut qu'on léwa et tout. Alors que nous, on a ces malheurs, on m'a bouillé. C'est pourquoi je ne voulais pas. On t'en a fait la fête. Ah, on m'a dit, toi, on m'a fait. Alors qu'il y a un bon message dedans et tout. Alors, parlez maintenant, on doit parler de la musique de là-bas et surtout de la ville de Kolwezi. Comment tu peux évaluer la musique de ta province, surtout de ta ville? Ben,
Déjà que la musique de Colossi a la chance de m'avoir à la tête. Ah ok, c'est vous. Mais ça c'est connu de tous. Même vous, quand vous venez comme ça, vous savez okay. que là-bas c'est TNS qui est à la tête. Après les autres. Voilà. Je suis à la tête de cette musique. Est-ce que les gens m'ont expliqué comme... Ouais, ils savent. Ah ok, ils savent. Déjà que depuis 2011, je suis là, papa. Maintenant, on n'a pas ma mission, mais on n'a pas ma couille. Moi je suis toujours là, mais on a ensemble madame on va Kofi. Ok. Bah, tu vois, Kofi est toujours là. Ouais. Génération t'es quoi. Et c'est la chose aussi, j'encourage chez RG. Il est toujours là. Malgré quoi, bon, je suis là. Il faut aller à la bande. Ouais. Tu tournes les madame. La musique est en train de bien évoluer. Moi, c'est que je suis content. Mon musique en Polynésie, c'est que Bambrouer, beauté, on a ta musique. Ok, bah oui, bah ça va quand brûler musique, bah ni bon chez Zubata, avant tout venir on a assez mal, là, on a tout mis carré dedans, c'était un embrouilleur, bah embrouilleur bon des banaches à musique, ton abaki a kiloko, à part ça ça met que de bon, ok, ouais, bah kiloko là on a abaki, zamani on était ici à 50, on était comme mille watts 50 là tout, mais après ça ça mille watts là ni 4 5, mais y a bah bon, mille molo qui je connais ça, par exemple, y a Djibril HD, y a YMB, il y a Diesel et il y a moi, tu vois. Okay. Donc, c'est Aina Sevelin et Bitani, le bicho Panga. Non, non, j'ai compris. Ouais. Il y a voilà, moi, et puis il y a les autres qui viennent après. Ah, okay. Mais qu'est-ce de bon. Ok. Ça va, mais attends, on n'a pas t'attendre au Bachikan, il va bon. Je n'en comprends pas. Aussi, ça te souvient qu'on va bon. Non, bah, les Bachakouan, ça ne fait plus okay. la vie. Bah, aussi, ça me bien, tchao. Vas-y, on vient, tchao. Ouais. Attends, pas la tour, c'est maman Breton. Bah, la prochaine, qu'à Pune, Chikan, à Wapi. On a compris. Okay. Nous, on encourage. Pourquoi ballon a senti assez beau baba qui paquait les musiques en dans studio en bien mon tout. Je comprends. Bonjour musique les bendeler. Parce que qui bien mon tout. Ou qui bien mon tout dans me déposer un disque là tout ça $100 en pour chez fura on est dans gars pas bombé. Baba qui est dans le studio au studio. Oh couvre moi chawa quand dire que ni fulana na mwimbia tena. Ah bon je vois. Je musique ba minga chawa. On a dans Lubumbashi. Comment studio na chawa. Ou là on bien na ko bien vie moi chawa quand John Kando. Mais là John musique ba chawa chérie. Mais ya bobo benyo. Ya bobo ba to chaque tena. Je on comprend. On comprend que c'est des embrouilles. Voilà. Na Dieu merci. Ba les embrouilles ba finira pas quoi. On comprend. Mais mambo aussi ça tu es tigre na biat. Papa. Où est le micro baladeur? Où est-ce que mon gagne aux as depuis bateau tu vas aller MP4 bah OMB va quoi après mais regarde où tu chutes le mumba la balle va te ramasser on a bien tout monde à partir NS bateau tu vas le battre mal le battre si ouais ah où t'as fait bonne chose attends où est-ce que je peux même t'adresser ta quoi on est dans ton voisin on connaît ces machines là quoi mais c'est un madame ça quoi ouais c'est juste pour vous dire que moi étant loin, on a là ma information à Bongo. Artiste, tu as terminé à Chicago, tu as fait ma émission. Artiste, tu as été au Colossi. Alors, c'est moi le numéro 1. Alors que, oui, en réalité, on va au Colossi, tu comprends. Déjà, je suis au Colossi. Ouais. On n'a pas pour Colossi. On a un grand bien. Combien de balles on a couillé à la Rofan On va au Fulan. Tu vois. Moi, je suis content parce que tu es là. Tu as la vraie vérité de la musique d'ici. On est you. Et. Mais c'est ma mère qui chaque mais maintenant je suis à ma émission on parle par on salue tel par exemple de Colossi voilà je salue tous les artistes visés de Colossi parce que je vous aime bien aujourd'hui on est là pour vous quand on balaye ça tu n'as pas tu n'as pas eu dire moi ma piste musicien c'est pourquoi on m'appelle avocat des artistes voilà on est en train de citer comme ça avec notre invité avant de citer je ne sais pas. Alors, quelque chose de la musique, comme vous venez de le dire, que les gens qui ont un bon, faux beau, tu vas chercher un bien. Alors, on avait appris par vous-même d'ailleurs que nous, déjà dans la belle, on a produit l'artiste. Comment ça évolue ou bien au chapeau déjà, il y a l'un des meilleurs chanteurs du Grand Katanga qui a signé chez moi, Yusukam Vlad. Okay. Yusukam. Je suis content parce que Alpha Tant moi en silence. Et là, je suis allé là, il est dans mon label, mais je suis content par rapport à ce qu'on a tombé dans la Chirica. Parce que Mimbo Ketogani, avant, j'en ai déjà. Et c'est une très belle chanson. Le Toka, mon label, on a lancé. Je crois que Papsour était là la prochaine fois au Tamshiki. Lui, c'est un très bon chanteur. Vous êtes une équipe de production ou bien c'est TNS, c'est point barre. J'ai des gens dans mon équipe parce que moi je ne sais pas m'occuper d'un artiste, ça serait un peu compliqué, j'ai ma carrière que je gère. Voilà.
Mais j'ai un budget. Il est minéra comme Pembe Nassima. Il y a artiste qui fait clip, mon ato chapa. Il y a artiste qui fait son, mon ato chapa. C'est comme ça. Il y a mon équipe qui gère tout ça. Mais ma rara est informé. Non, il y a Souka Martumika Mumboassas. MDR Martumika Mumboassas. Kapoor Martumika Mumboassas. Ça, Martumika. Vous avez le temps de parler avec tous les artistes et puis que ma conseil Nabo. Oui, oui, ben, ton rara Nabo. On a des réunions régulièrement. Tout dans ma réunion, il y a équipe, tu n'es qu'à là, tu n'as chiqué par exemple, mon ton aïmba mouimbo. Avant, aïe, tu as un téléphone, tu n'as pas chiqué là, tu n'es chiqué, tu n'as critiqué. Et c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Déjà, il y a Yusukam qui a sorti la chanson au Siku. Une très belle chanson qui, hein, que je te donnerai d'ailleurs avant de partir. Ouais. Alors, parlons toujours de l'appel. Quel critère qui fait que TNS puisse recruter un artiste musicien à signer? Il faut pas pourquoi Mkolozi bien. Non, il peut être de partout, mais à quoi talentueux. Après mon texte a bien, je suis quand même encouragé, mais perdre ma route à tout le monde dans mon studio, je vais aimer mon chambola. Non, ça non. Imba mon bébé, t'as la communauté, t'as la pays, t'as la province, viens proposer. Si il a fait une équipe, on te compte. Et quand on te produit, c'est que tu as fait un peu de temps pour la promotion, tu as fait un peu de temps pour la clip, tu as fait un peu de temps pour le studio. Bien que tu aies c'est nous qui payons. Si on a compris que tu as des musiques, nous on n'a pas eu cette chance. Mais dans un cas, tu es ici. Je suis venu à mon tour, un artiste et musicien pour s'aider à la semaine. Mais c'est le premier en fait. Oui, le premier et le seul à le faire. Ah, ok. Mais peut-être à travers moi, il t'a conseillé au Bakouangou, au Benzangou, au Bakouangou, au Saïdian. Parce que Mingi, Bakatangé, tout l'esprit, il y a Bakino, il y a Nyata. Est-ce que Léo n'a pas regretté que tu n'as pas artiste en mouvement? Non, je suis regretté parce que il n'a pas regretté en tant que mes frères. Mais je suis allé en carrière en musique, où est-ce que tu as au Saïdian? Non, mais au Saïdian alors. Non, non, en fait, bon, bah, par exemple. Non, on va dire que un problème. Le même problème, il est où on a RG. Le problème, c'est qu'on a oxygène. En tout cas, Mais auparavant, quand même, tu avais les temps de. Avant, j'étais un petit. Moi, je pensais que en chantant peut-être avec M. Joey, en chantant avec RG, ça va m'aider. Mais ça m'a aidé à rien, tu vois. Ça m'a pas aidé. Ni mes amis, ni mes fans, ils n'ont vraiment pas connu. Beaucoup de Lubumbashi, ça va s'aimer, ça va s'aider, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis connu à Lubumbashi grâce à moi-même. On en a. Aujourd'hui, tu es né pour Lubumbashi, concert, les gens peuvent répondre. Comme un candidat à Lubumbashi. Gravement, oui. Oui. D'ailleurs, on me demande gravement les concerts. Si tu as un concert pour Lubumbashi, je vais t'appeler. Voilà, au nom de Dieu, je ferai qu'il y ait plein. Parce que. Le Bumba, c'est Ni-Océan. Papa, Ni-Océan, oui, mais sans te mentir, Mie Kouloubumbashi, Ndjo Terrain, on a attaqué ça. Ok, ouais. Ma stratégie, oui, le Bumbashi, on a terrain à attaqué. Oh, tu m'as dit, mais il y a un peu de temps, Mais je suis un peu plus grand que je suis. Je suis un peu plus grand que je suis. En tout cas, Je suis un peu plus grand que je suis. Parce que ma façon faut pas dire ça. Non, au nom de Dieu, je dis, j'assume ce que je dis. Chika Mimbong. Lubumbashi n'a pas de Mimbosan. Il est tout le cas là. Il est tout le cas là, on a chika Baba Bonassé. Non. Et si on parle des chansons qui édiquent les gens, Lubumbashi, on voit RTK, on voit Agressivo, Fit One, Lomanix des fois, et puis il y a beaucoup de artistes. Moi, je n'en vais pas ma doute. Il y a un artiste, c'est vrai, à Lubumbashi. Je dis le terrain est vierge, mais il y a quand même des artistes qui sont là. Il y a Agressivo, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup par sa façon de développer le thème. Voilà. En développant ma thème bien. Il y a Pisson, mon ami Pisson. Tu sens qu'il a la qualité dans ses histoires. Je m'en comprends, ma grand-mère m'a mis ma peine souvent, mais tu sens qu'il y a la bonne qualité.
Vous êtes sûr que si on a décidé de faire le Lubumbashi, abattre des artistes va trois gamins vous taire. Au nom de Dieu. Il y a 7 minutes décidé dans ce n'est pas le Lubumbashi. Ben les gars là, ils tout minent dans la rue, minent dans la rue. Papa, il n'a pas de vie. N'afrika tout le Lubumbashi, moi j'ai quitté ma émission. Tu sens quoi? Bah le Lubumbashi n'a pas merci papa. Parce que moi quand on a bien ton depuis 2016 j'ai quand même mis le rouleau à Colosie. J'étais à Lubumbashi avant Bobale, mis le rouleau à Colosie parce que j'aime bien commencer mes histoires à Colosie parce que c'est la ville, il est réalisé là musicalement. Lubumbashi, je connais la ville de Lubumbashi, c'est là que je suis né, c'est là que j'ai fait mes études. Mais il y a bien. Donc, j'ai dit, Michel Panga m'a plan, Tachki, je viendrai à Kasumbale ça. D'ailleurs, c'est un projet déjà en cours. Nous l'avons fait tourner à bien. Et pour projet déjà en cours de Kasumbalesa, il faut vous dire que pour parler, si on termine, TNS sera à Kasumbalesa pour une production ou des, si tout va bien, espérons. Alors, on est en train de citer déjà, je dis merci à la direction des programmes du Manassé Von Lili qui nous a accepté, bien sûr, quel que soit nos problèmes, et puis se déplacer jusqu'ici. Je dis merci à mon DG, Jean-Luc Kayamba, l'homme sans rival. Tous les techniciens, toute l'équipe technique de Marafi, qui je vous aime bien. Merci à notre caméraman d'aujourd'hui, réalisateur, bien sûr, de RTMA. Merci beaucoup à la chaîne d'abord, RTMA, pour disposer ce matériel. Question de survivre votre chroniqueur. Je dis merci à Meshak, de l'autre côté, en train de bien le faire. Alors, je vous aime bien parce que vous êtes... nos confrères, c'est nulle part parce que dans la gare de Marasumbalé, ça vaut tout. Il va peser chance ou volonté, mais ça va matériel, c'est pas donné à toutes les personnes, bien sûr. Alors, TNS, on est en train de citer un mot avant de clôturer cette émission. Vous pouvez dire quoi à la population de Kasumbalé, ça et surtout, cette émission sera déjà de demain sur notre chaîne YouTube. Tout le monde va t'appuyer. Déjà, je demande à la population de Kasumbalé, ça de beaucoup plus visiter. Ma binton ou par YouTube, par Facebook, par Instagram, TNS Nadja officiel. Et TNS Nadja officiel, c'est ça mon nom partout. Et TNS Vayanchalani, T-I-E-N-N-E-S-S. Voilà. Comme tiens. Tiens, voilà. Ou quand tiens, il tient en français. Il y a tiens, on est au KS qu'à moi. Déjà, c'est moi. Ouais, déjà, c'est moi. Et. Nadja c'est N-A-J-A. Quand je suis en train de faire officiel, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je peux te poser une dernière question. Il est mis à Sabo peut-être. Et puis tu donnes une réponse. Moi-même, me poser une question, une question. Papa, le professionnel, je sens que tu as tout. Là, ça me fait que je me lise à mais comment il me dit, putain, ça, je suis lise à mon beau plan. Moi, je sens qu'on a parlé de tout. Voilà. Oui. Espérons que peut-être après Bobale, il y aura encore d'autres chansons. Mais un featuring avec Katangé, t'es là, ça, ça va. Il y a des chansons. Bon, le Katangé, c'est lui qui a besoin que tienne sa vie dans sa chanson. Je suis là. Je suis là. Mais moi, par rapport à ma ambition. Pour le moment. Pour le moment, en tout cas, Michel a fait featuring les Charlomba Muntu. Mais où les gros besoins, c'est moi, tienne sa intervenir. Moi, je suis un numéro 1, Muntu Barafi qui est dans son bras souvent. Moi, je suis un je connais beaucoup d'artistes. Déjà, je promets, tienne sa, je dois aller d'artiste, moi, mon Kasumbalé, ça va me laver. Je ne sais pas si. Ouais, pas de problème. Moi, je suis à convaincre toute l'équipe en haut. Voilà. Et puis, toi, déjà, t'es un frère. Ok. Et ça va sûrement passer. Ok. Déjà, je connais un peu JJ, je connais DJ Mpole, je connais. Jordan Kesh. Je connais beaucoup d'artistes qui voilà. Sont ça, mes frères, et que je salue d'ailleurs en passant. Voilà, TNS est en train de venir chez vous. Morita Arishi. TNS est en train de venir. Pour la bonne musique. Mon numéro c'est le 097 72 88 555. 097 72 88
555. Je salue aussi Mecha Kongoy parce que c'est un bon aussi. Bon aussi okay. J'espère que tu as suivi ces émissions. Voilà. Bon. Merci. Merci à lui. J'ai dit merci à toutes les personnes. C'était avec plaisir que j'ai à vous présenter cette émission. J'ai dit merci à toutes les personnes. La émission dans le Bagaboué. Ceux qui n'ont pas de il fallait voir que ça n'est pas notre publicitaire. Mais si vous avez un beauté. Alors j'ai dit merci si tu veux que tu puisses être cité régulièrement dans cette émission. Il fallait vous signer ça pour chaîne, vu que tu n'as signé pour chaîne ma publicité et puis. Ou sinon je ne peux pas faire la promotion d'une personne, pas gagné du tout. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Je vous aime bien, je vous embrasse. Merci à Trésor Mako Lolenkoy. Merci à tous les chroniqueurs de la ville de Kolwezi pour votre accueil. Merci à Hermès qui m'avait appelé bien sûr à Kolwezi pour l'ambiance de la ville. J'ai dit merci à toutes les personnes là. Je vous aime bien. On se retrouve déjà la semaine prochaine avec un nouveau numéro et projecteur de stars sur votre émission. Allez, ciao, bye.